Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment trier des données dans Excel. Donc, j'ai préparé ces données pour nous permettre d'aller rapidement. Donc, dans ces données, on va par exemple voir comment classer une colonne par ordre alphabétique et affecter la classification sur les autres colonnes. Pour cela, je vais sélectionner toutes mes données. Donc, je peux sélectionner mes données en cliquant sur une partie des données et en faisant CTRL A sur mon clavier pour le faire rapidement. Donc Excel va automatiquement sélectionner la zone où il y a des données s'il n'y a pas de zone vide entre les données. Mes données n'ont pas de zone vide, donc Excel va automatiquement tout sélectionner. Maintenant, je vais venir ici, je vais cliquer, je vais venir dans données sur le menu données, je viens dans le groupe de menu trier et filtrer. Quand je suis dans le groupe de menu trier et filtrer, je vais venir dans cette zone. Je vais cliquer sur le petit bouton qui a une flèche de A à Z. Quand je clique dessus, vous allez voir que ma colonne nom a automatiquement été ordonnée. Ma colonne a été ordonnée parce que c'est cette zone que j'avais sélectionnée, que j'avais mis mon curseur avant de sélectionner. Donc, ma colonne nom a été ordonnée de A à Z. Donc les noms ont été classés de A à Z. Voilà une technique rapide pour trier les données. Maintenant, on peut facilement chercher le nom, sachant à quel niveau la lettre se trouve. Une autre façon de sélectionner les données, c'est de sélectionner la colonne. C'est-à-dire, je vais classer les données du nom. Là, je viens sélectionner toute la colonne. Avant de continuer, je vais rappeler qu'on peut trouver ce bouton de trier. Le bouton trier, soit dans données, soit dans accueil. Donc, on peut venir dans accueil. Il y a un bouton là qui s'affiche automatiquement, trier et filtrer. Donc, c'est le même bouton. Mais ici, il suffit de cliquer dessus pour trier de A à Z. Donc, je vais cliquer ici pour trier ma colonne des noms de A à Z. Ma colonne des noms était déjà triée de A à Z. Je vais faire l'inverse, trier de Z à A, c'est-à-dire quitter du plus grand au plus petit. Donc, quand j'ai sélectionné, cette fois-ci, comme toutes mes données n'étaient pas sélectionnées, Excel va me poser une question pour savoir si je veux étendre la sélection sur toutes les données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce qu'en classant, chaque ligne va amener les autres colonnes de la ligne, les autres cellules de la ligne. Je vais dire oui, parce que si je dis non, Excel va seulement classer les données de la colonne A et les données ne vont plus correspondre aux autres données. Par exemple, Angela va aller à la fin, alors que ici, par exemple, Arnaud, qui est le prénom, sera au début. Donc, le nom Angela et le prénom Arnaud ne vont plus correspondre. Donc, je vais dire à Excel d'étendre pour que Angela, Arnaud et tout soient classés au même niveau. Je clique donc sur Tri. Voilà, Excel a classé mes données de Z vers A. Voilà donc Angela qui est en bas. Angela est en bas et les noms commençant par Z sont en haut. Une autre façon encore de faire ce travail, de sélectionner les données et de sélectionner tout, de tout sélectionner. Une autre façon de trier les données, c'est de tout sélectionner. Et cette fois-ci, de venir dans données. Quand on est dans données, on va cette fois-ci cliquer sur trier. Quand on clique sur trier, il y a cette fenêtre qui va s'ouvrir devant nous. Dans cette fenêtre, on voit là des boutons ajouter un niveau, supprimer un niveau, ainsi de suite. Vous voyez qu'automatiquement, mes données seront classées par rapport à la première colonne qui est nom. Mais si je ne veux pas classer par cette colonne et classer suivant une autre colonne, je vais venir appuyer sur la liste déroulante là et choisir quelle colonne je veux classer mes données. Ici, par exemple, je vais choisir le pays. Je veux que mes données soient classées en fonction du pays. Et là, Excel me propose trier sur valeur de la cellule ou trier sur couleur de la cellule. Ici, ça dépend si j'avais mis des couleurs. Excel peut faire une classification selon les couleurs, selon les correspondances des couleurs. Donc, Excel me demande trier de A à Z. Je vais dire non. Je vais trier de Z à A.
Je veux qu'il trie plutôt de A à Z. Et donc là, il y a ce petit bouton à cocher. Il faut toujours cocher pour rappeler à Excel que tes données, que nos données ont une zone d'entête. Sinon, Excel va classer jusqu'à classer les entêtes. Et viens donc ici cliquer sur OK. Vous voyez que automatiquement mes pays ont été classés par ordre alphabétique. Les pays ont été classés par ordre alphabétique et les noms ont suivi la classification des pays. Donc, je peux faire un autre classement. Je peux faire plusieurs classements, c'est-à-dire, je vais classer les pays par ordre alphabétique et classer les villes. C'est-à-dire que si il y a deux niveaux de pays et les villes seront classées en fonction des niveaux de pays. Je vais revenir ici. Mes données sont sélectionnées. Je clique sur trier. Le premier niveau est déjà là, c'est toujours pays. J'ajoute un autre niveau de classement. Je peux dire par exemple là, je peux dire là ville. Je vais encore faire un autre classement selon les villes. Je vais classer de A à Z. C'est-à-dire s'il y a deux pays ou plusieurs pays qui ont le même nom, que les villes qui correspondent à ces pays soient classées de A à Z. J'appuie donc sur OK. Vous voyez, ici, probablement, il n'y aura rien parce que chaque pays, dans la colonne des pays, il y a un seul pays. Il y a un seul pays par colonne. C'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. On se voit dans la prochaine vidéo. Surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos.